Salut, 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 vous allez bien? Ok, je suis Lambert Kouassi, soyez les bienvenus. Bien, je suis là pour t'apporter une petite information. Une petite information. Vous savez, il y a des gens qui sont au bout du découragement, qui sont dans la frustration totale, des gens qui ont décidé, qui ont appris certainement qu'on peut se faire de l'argent sur Internet. Oui, on peut se faire de l'argent sur Internet. Et puis aussi, on peut perdre de l'argent sur Internet. Parce que l'Internet, c'est la transposition de notre vie normale dans un environnement virtuel. Donc, de la même manière que quand on fait des affaires dans la vie normale, on perd de l'argent. C'est de cette même manière que tu peux perdre de l'argent sur Internet. La même manière qu'on peut gagner de l'argent dans la vie normale, c'est la même manière qu'on peut aussi perdre de l'argent dans la vie normale. De la même manière qu'il y a des gens dans la vie normale qui croient qu'ils peuvent se faire de l'argent comme ça, sans avoir une expertise, une expérience, une connaissance et qui tournent en rond dans leur vie. C'est de cette manière que sur Internet aussi, il y a des métiers qu'il faut maîtriser pour pouvoir se faire de l'argent. Tous ceux qui sont au bord, souvent de la frustration, qui sont dans la frustration, qui sont découragés, ce sont des gens qui se sont dit que sur Internet, il est facile de se faire de l'argent. Vous voyez, non? Il est facile de se faire de l'argent. Donc, les gens abordent l'Internet, les affaires en ligne, en se disant que c'est facile de se faire de l'argent. Tenez-vous bien, j'ai connu cela aussi. J'ai connu cela aussi. Quand j'ai découvert l'Internet et les affaires en ligne, je me suis dit que c'était facile de m'enrichir. Et donc, vous venez avec un certain espoir, avec un grand rêve que, bon, voilà, vous allez commencer, vous allez, comme il n'y a pas de boulot, vous allez commencer là, vous allez faire de l'argent, donc découvrir des opportunités, vous mettez de l'argent dedans pour vous. C'est la fin de votre pauvreté, de votre misère. Et donc, voilà, vous rêvez comme ça. Et puis, tout d'un coup, il y a une désillusion, il y a un échec, il y a une déception parce que la réalité est autre. Vous voyez là? Et donc, on sort de là déçu, on sort de là découragé. Je suis là pour te dire, toi qui es dans un tel cas, que tu as mal apprécié les choses. Tu as mal apprécié les choses. Effectivement, sur Internet, on peut gagner ou on peut perdre, comme dans la vie normale. Vous savez, nous sommes dans une existence où le mal et le bien cohabitent. C'est le revers de la même médaille. La vie, la mort. Le gain, la perte. Les deux sont ensemble. Parlons des affaires sur Internet. Il y a deux groupes de personnes qui se retrouvent sur Internet. Il y a celles qui croient que tout est facile comme ça, qu'ils vont venir, ils ont entendu qu'un tel s'est enrichi sur Internet, et qui viennent comme ça, sans aucune connaissance, donc sans aucune formation, sans aucun savoir-faire, sans aucune expérience, et qui croient se faire de l'argent. Ceux qui sont la plupart du temps déçus, ce sont ceux qui croient que tout est facile, qu'on peut venir comme ça s'enrichir. C'est ceux-là qui sortent déçus. Ceux qui sortent déçus, celles qui sortent déçues, découragées, ce sont ces personnes-là qui croient que sur Internet, il y a des enfants de cœur qui sont là, qui sont comme des ONG, qui montent des systèmes pour les enrichir. Non. Ce ne sont pas des enfants de cœur, je vous l'ai toujours dit. N'ayez pas confiance en 100% en une compagnie, quel que soit ce qu'on vous présentera, quel que soit tout ce qu'on vous dira, il y a beaucoup de causes extérieures, d'influences extérieures qui peuvent influencer non seulement l'individu qui a mis son système en place, mais l'entreprise elle-même. Dans votre pays, on peut l'influencer négativement, de sorte que ça peut s'arrêter. Des autorités américaines, comme on le savait souvent, peuvent influencer un système et l'arrêter.
Il y a des projets qui ont capoté, pas parce que l'individu voulait arrêter son projet, mais parce qu'il y a des influences extérieures qui ont fait que ça s'arrêtait. Donc, quand on mettait tout ça ensemble, l'influence intérieure, la personne elle-même, les situations imprévues, dites-vous que les systèmes en ligne, de ne pas leur confier, leur accorder une confiance à 100% pour mettre beaucoup d'argent dedans comme ça. Lorsque vous découvrez un système, ne l'apprenez pas, ne le prenez pas comme un système où dans la lave, vous allez devenir milliardaire. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ça peut arriver, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut toujours avoir une certaine retenue, une certaine prudence. Ça, c'est la base. Il y a un élément important qu'il faut souligner. J'ai dit qu'il y a des gens, il y a deux groupes de personnes, n'est-ce pas? Qu'il y a ces personnes-là qui viennent, qu'une fois que tout est facile, tout est rapide, on vient, on s'enrichit sur Internet. Donc, et ces gens de personnes perdent l'argent et continuent de dire que bon, ça va marcher, ça va marcher. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la solution. Sinon, ce n'est pas une solution stable. Quand j'ai commencé à faire des affaires sur Internet, c'est comme ça que je pensais. Et je me suis rendu compte plus tard qu'en réalité, il y a un deuxième groupe de personnes. Et donc, ces personnes-là, ce sont des gens, comme dans la vie normale, qui cherchent à maîtriser un métier en ligne. Il y a des métiers sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui décide de créer des sites Internet pour des gens, c'est un métier. Créer des sites web pour des gens, c'est un métier du web. Par exemple, quelqu'un qui apprend à vendre sur Internet, à faire du marketing digital, okay. À faire du marketing digital, qu'on appelle aussi de l'affiliation, c'est un métier. Il apprend à vendre en ligne. Et là, c'est un métier. Les outils de communication, les outils de publicité, tous les systèmes qui pourraient avoir plus de visibilité, plus d'audience, avoir un mailing list qui lui permet d'être connu, d'être vu et d'avoir une forte audience qui lui permet de pouvoir se faire de l'argent. Ça, c'est un métier. Il y a celui de la spéculation, ok, de la spéculation qui n'est pas forcément le trading, c'est-à-dire acheter des choses sur Internet, attendre que ces choses prennent ces actifs prennent la valeur et les revendre. Ça, c'est un métier qui n'est pas forcément celui du trader, qui est encore plus professionnel. C'est-à-dire, j'acquiers des choses qui n'ont pas de valeur actuellement. Et comme ce sont des actifs que la capitalisation, plus il y aura du monde, une forte communauté qui utilise cet actif-là, l'actif va prendre la valeur. Ça, aussi, on peut se faire de l'argent. Mais ce sont des métiers. Des métiers que vous devrez apprendre pour savoir comment échanger tel actif en tel actif, comment m'y prendre pour me faire de l'argent. Ce sont aussi des métiers. Le problème que nous avons en ligne avec la plupart des gens, ou bien que nous avons parce que nous croyons que c'est facile de se faire de l'argent, c'est que nous refusons d'apprendre. Nous refusons de nous former, les gars. C'est comme les gens qui sont au chômage. Ils ne sont pas au chômage parce que la vie veut que ces gens soient au chômage. Ils sont au chômage parce qu'ils ont appris des métiers où ils font un métier qui n'est pas... Non, ils ne font pas quelque chose, ils ne sont pas spécialisés dans un domaine où ils sont les meilleurs. Ce qui paye, c'est la spécialisation. Vous comprenez? Ce qui paye, c'est la connaissance. Ce qui paye, c'est l'expérience. Même dans les domaines dans lesquels, dans la vie normale, les métiers que nous avons, tout le monde peut faire le même métier, mais il y a des gens qui sont meilleurs. Ce sont les meilleurs qu'on cherche. Et ce sont les meilleurs qui se sont spécialisés dans un domaine que l'on cherche. Par exemple, quand tu veux construire ta maison, tu cherches le meilleur entrepreneur, le meilleur maçon, le meilleur charpentier, le meilleur quoi, carreleur. Donc, on cherche toujours les meilleurs, n'est-ce pas? Sur Internet aussi, si tu veux vraiment, vraiment gagner ta vie sur Internet, ne viens pas, sors du lot de ceux qui sont là pour la facilité. C'est-à-dire, ce qu'ils appellent facilité, c'est lorsque je découvre un site Internet, je place de l'argent, je n'ai aucune connaissance de base, je peux gagner de l'argent. Ça, c'est bon, hein?
mais c'est la facilité et c'est là qu'on perd beaucoup d'argent. Et le deuxième, là, c'est le groupe de ceux qui sont sortis dessus. Et qui se disent qu'ils concluent pour dire que non, sur Internet, tout est faux, tout est escroquerie. Non, ce n'est pas vrai. Sur Internet, tout n'est pas faux, tout n'est pas de l'escroquerie. Vous voyez? Et donc, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour attirer votre attention sur une réalité. En réalité, sur Internet, il y a deux groupes de personnes. Celles qui croient que tout est facile et qu'elles vont gagner des milliards, des millions et qui mettent leur argent sur des sites qui disparaissent du jour au lendemain. Et d'ailleurs, qui mettent l'argent sur des sites qui ne suivent pas les conseils qu'on leur donne et par leur gourmandise, elles veulent tellement s'enrichir qu'elles déposent bam. Et après, elles perdent. Ces personnes perdent, elles sont déçues, elles en veulent à tout le monde, à ceux qui leur ont parlé, à tout le monde. Vous comprenez? Qui en veulent même à des YouTubeurs, parce que c'est plus le toi qui a fait que j'ai découvert, sinon je n'allais pas mettre mon argent dedans. C'est de l'irresponsabilité. La responsabilité commence quand tu décides, tu reconnais que je suis ignorant et qu'à partir de maintenant, je veux m'apporter plus de valeur pour que moi-même, je contrôle mon business, mon capital, que je vais l'utiliser dans un métier que je maîtrise moi-même. Cela passe d'abord par une prise de conscience de votre ignorance, de votre manque de savoir-faire. Et en plus, et ensuite, décider, reconnaître ça d'abord, hein, qu'on ne connaît pas, qu'on est dans le lot de ceux qui sont là, qui dépendent des compagnies, et qu'on veut désormais avoir le contrôle de notre métier, de notre business. Enfin, le contrôle, c'est quoi? C'est être dans des systèmes où tu as une connaissance et que tu vas utiliser ta propre connaissance pour utiliser ton propre capital pour produire des richesses. Et souvent, dans ces genres de systèmes-là, on ne te demandera même pas de payer un pack d'adhésion. Ou bien on te demandera juste de payer le logiciel ou bien la plateforme, juste 100 dollars seulement. Et puis tu développes ton business, juste 100 dollars. Et les 100 dollars ne te produiront pas de l'argent. Vous comprenez? Ça veut dire le système, comme tu vas jouir de leur logiciel qui est en ligne pour te faire de l'argent, ou bien toi-même, tu es obligé de payer ton logiciel, ton système. Par exemple, les sites de ClickFunnels, des systèmes de comment on appelle ça, les tunnels de vente, voilà, un tunnel de vente. Si tu fais l'affiliation que tu as besoin d'un tunnel de vente, le tunnel de vente est comme un logiciel que tu vas acheter. Ça va te coûter de l'argent. Mais ce tunnel de vente, c'est un outil dont tu vas t'en servir pour pouvoir convertir les visiteurs en acheteur et te faire de l'argent en affiliation, par exemple, ou bien en marketing digital. Vous voyez? Là, c'est différent. J'ai de l'expertise, j'ai de la connaissance, j'ai bien des outils, des matériaux pour travailler en ligne, pour me faire de l'argent. Donc, par moment, j'aurais besoin d'acheter un e-book que je vais lire pour m'équiper, pour me former. J'aurais besoin d'acheter un système, un logiciel qui me permet d'attirer du monde. Ou bien je serai obligé de dépenser de l'argent pour Google, AdWords, pour attirer, pour avoir des mots-clés et attirer de la clientèle, des visiteurs, du trafic. Ou bien j'aurai besoin de me faire former par quelqu'un qui va me facturer, qui va me coûter peut-être 1 million, 500 000 francs, 250 000 francs, pour acquérir un savoir-faire et commencer à exercer ce métier sur Internet. Elles sont combien de personnes qui sont prêtes à se rendre compte que si j'échoue sur Internet, c'est parce que je n'ai pas le contrôle de toutes les choses. Et que ce sont des gens qui, je mets mon argent, qui décident à ma place et qui utilisent mon capital pour en faire ce qu'elles veulent. Par exemple, lorsque je faisais une conférence, une opportunité d'affaires, je ne cite pas le nom ici, j'ai dit aux gens la chose suivante. Ce métier que cette entreprise fait, et puis elle vous paye par mois, par jour, par semaine, ou bien chaque quinzaine, vous-même, vous pouvez l'exercer. Et voilà comment on peut l'exercer. Les mêmes actifs qu'eux, ils achètent et ça prend de la valeur. Et puis, ils ont des marges. Et puis, ils vous donnent une partie, mais ils gardent une partie. Toi-même, tu peux le faire. Mais si tu ne veux pas le faire, que tu prends le risque, sache que tu es en train de t'engager dans une voie que tu ne sais pas si cette compagnie continuera de te payer ou non. Clair, j'ai dit ça aux gens. Et donc, si vous voulez le faire, voilà un exemple. On est parti sur CoinMarketCap. J'ai montré que, vous voyez là, cette crypto-monnaie, ce coin,
En 2020, regardez ce que ça c'était. Ou bien 6 mois en arrière, regardez sa valeur. Si tu en avais acheté et que tu en avais gardé dans ton portefeuille, des mois, 2 mois après, 3 mois après, en vendant, tu aurais peut-être triplé, quadruplé ton capital et tu aurais fait de l'argent. Ça, c'est de la formation que vous avez besoin pour faire ça. On parle d'une compagnie, l'affiliation. L'affiliation, par exemple, en affiliation vraie, tu ne viens pas payer le système, tu ne viens pas dépenser de l'argent pour commencer l'affiliation. Non. C'est vrai, la formation que tu vas acquérir pour faire cela, ça va te coûter de l'argent à toi. Là, tu investis en toi-même. Tu n'investis pas dans une entreprise, mais tu investis en toi-même. C'est là le mot-clé. Il y a des gens qui investissent dans des systèmes qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il y a des gens, il y a un autre groupe de personnes sur Internet qui investissent en eux-mêmes. Ils investissent dans des logiciels pour maîtriser ce logiciel utilisé sur Internet. Ils investissent dans des e-books en les lisant. Ils investissent dans la formation. Ils investissent dans des masterclass, des gens qui ont du succès et qui lancent des formations de masterclass et qui investissent dans le mindset. Ils investissent dans le développement personnel, dans le coaching. Et ce sont ces personnes-là qui ont de bons résultats, les gars. Et ce qui est intéressant qu'il faut savoir, ce groupe de personnes ont compris que l'argent, pour l'avoir, il faut avoir la connaissance d'abord. C'est la connaissance qui produit de l'argent. Ce groupe de personnes dont j'ai parlé premièrement, ce sont des personnes qui croient que, bon, c'est facile, je dépose l'argent, je gagne l'argent. Ce n'est pas faux, hein. On peut déposer de l'argent et gagner de l'argent. Je connais des gens qui en ont eu. Mais en fait, ce n'est pas durable sur de longues années. Tu acquiers, quand tu te mets dans le, tu sors du premier groupe, tu te mets dans le deuxième groupe, des gens qui apprennent, ils vont acquérir une connaissance et cette connaissance-là, ils vont la partager avec des gens. La connaissance est toujours en elle. C'est-à-dire, toi, tu auras dépensé 1 million dans un business. Et puis moi, qui décide de dépenser 1 million pour investir en moi-même, pour acquérir une connaissance. Mais 1 million investi en moi-même pour acheter des logiciels, acheter un système en ligne que je vais utiliser, qui me coûte de l'argent, acheter des e-books, dépenser dans le coaching, dépenser dans la formation, avoir des maîtres, des gens qui maîtrisent le métier, par exemple d'affiliation, de marketing digital ou d'autres métiers en ligne, hein, en marketing de réseau par exemple, ce sont aussi un métier qu'on peut aussi l'exercer en ligne aujourd'hui. Je dis bien, ce n'est pas un métier de web, mais aujourd'hui, il y a des systèmes, des marques de réseau qu'on peut faire sur Internet. Vous comprenez? Mais le marketing de réseau peut se faire sans Internet, contrairement à l'affiliation qui est 100% Internet. Bien. Donc, je peux investir mes 1 million en moi-même, mais ici, 1 an, 2 ans, je vais commencer à produire timidement des résultats, avoir des résultats, comme je ne suis pas encore bien expérimenté, mais ici, mes 1 million investi en moi-même, ici 2 ans, je serai capable non seulement de produire moi-même des richesses sur Internet sans dépendre à 100% des compagnies en ligne, parce que dans le premier groupe-là, vous dépendez à 100% des compagnies, c'est ce que j'appelle quand elle tape le tam-tam, parce que c'est elle qui a le tam-tam, c'est elle qui tape le tam-tam et puis nous on danse, vous comprenez? Donc, dans ce genre de business-là, il faut savoir s'y prendre pour ne pas perdre de grosses sommes d'argent. Là, il parle de deuxième groupe de personnes qui ont cherché à acquérir une connaissance. L'argent qu'ils devraient dépenser ont décidé de dépenser cet argent en eux-mêmes ou ces personnes en elles-mêmes. Et dès lors qu'elles ont cette connaissance, elles l'ont pour toute leur vie. Vous savez, ce qui est bien avec la connaissance est la première richesse en termes de, si on doit comparer ça à l'argent, parce que la connaissance que j'ai, vous voyez, je suis en train de vous véhiculer une connaissance. Plus je véhicule la connaissance, plus ça s'amplifie en moi. Alors que, en ce qui concerne l'argent, plus je t'en donne, si je t'en donne, fais pas attention, mon argent peut finir dans ma main. Alors que les 1 million là, toi tu l'as investi dans un business, c'est parti. Mais les 1 million investis en moi-même, pour apprendre peut-être 2 métiers du web, j'apprends la spéculation, j'apprends l'affiliation. Ces 2 métiers peuvent m'enrichir sur de longues années. Ces 2 métiers peuvent enrichir, peuvent m'aider à transmettre ça à mes enfants, à ma progéniture. Eux aussi vont transmettre à leurs enfants et à leurs enfants.
et c'est une connaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires grâce à l'affiliation, multimillionnaires grâce à la spéculation, et ils vont transmettre ça à leurs enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Selon vous, quel est le meilleur choix? Quel est le meilleur choix? Donc, je fais cette vidéo pour te dire que si tu es au bord du découragement, tu as tort. Je suis passé par là. Parce que je suis venu avec un faux espoir. L'espoir de m'enrichir sur Internet. Mais j'ai eu trop de désillusions, trop de déceptions. J'ai dit, oh, l'Internet, c'est du faux. Mais non, l'Internet, ce n'est pas le faux. C'est comme la vie. Il y a le vrai et le faux. Tout cohabite, tout est là. À toi d'être informé, d'avoir de la connaissance pour pouvoir t'y prendre. Pour ça, pour vous aider les gens, j'ai créé deux groupes. Un groupe appelé Avec le coach Lambert Kouassi, où ceux qui veulent prendre le risque de s'engager dans les affaires, on leur donne des orientations, on leur dit ceci, on informe, on forme, on coach. C'est-à-dire, on donne tellement d'informations que toi, tu ne vas pas perdre ton argent comme ça facilement désormais. Et on dénonce quand une compagnie a dénoncé. Ça s'appelle Avec le coach Lambert Kouassi, le lien en dessous. Le deuxième groupe qu'on a créé, c'est le groupe appelé Les métiers du web. Puisque, vous savez, les gens sont sur Internet, tu ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Au moins, s'il est dans un groupe et qu'il est bien informé et qu'il est bien formé, enfin, la formation ici, de temps en temps, on fait du coaching, on fait des conférences, OK? S'il a l'information, surtout l'information, il ne peut pas commettre des dégâts avec son argent. Donc, ce groupe-là est très important pour vous. Et ce n'est pas des groupes dans lesquels vous allez avoir des gens qui sont des pantins. Ce sont des gens qui disent ce qui est vrai, ce qui est objectif sur une compagnie. Si la compagnie n'inspire pas confiance, ils vont le dire. Ce n'est pas comme ces gens de leaders qui, même si la compagnie est déconnée, on dit non, c'est une bonne compagnie, continuons, avançons. Non, ce n'est pas comme ça. Là-bas, on te dit les choses telles qu'elles sont. Le groupe s'appelle Avec le coach Lambert Kouassi, que je suis. Le deuxième groupe, c'est pour ceux qui veulent aller à un autre niveau, qui ne veulent pas dépendre de ces compagnies-là, qui veulent apprendre quelque chose qu'eux-mêmes ils contrôlent. Par exemple, si tu acquiers des tokens, des actifs qui prennent la valeur, tu contrôles ton token. Des tokens qui sont convertibles ou qui seront convertibles en d'autres crypto-monnaies. Parce que les tokens, les jetons numériques, bien les coins, les altcoins qui ne sont pas convertibles en d'autres cryptos, ce n'est pas la peine. Que ce soit convertible. Par exemple, j'acquiers un token, un coin, et puis demain, je ne veux plus en avoir, je veux m'en débarrasser, il faudrait qu'on me donne l'occasion de le convertir en Ethereum ou en Bitcoin. Si on ne me donne pas l'occasion de convertir ça en Ethereum ou en Bitcoin, c'est que ce n'est pas quelque chose de bon pour moi. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, il y a des métiers qu'on peut apprendre. On a créé un groupe pour ça appelé les métiers du web, où on parle de spéculation, où on aura des webinars, des Zooms pour ça, où on parle d'affiliation, où on parle du marketing de réseau, où on parle des enchères. Il y a des enchères qu'on fait en ligne, vous comprenez? Et une fois, j'ai une grande tablette aux enchères en ligne, et ça m'a été expédié en Côte d'Ivoire ici. Mes enfants étaient contents de voir ça, vous comprenez? Il y a ça. Ils se disent, mais papa, mais tu as gagné. Je dis, oui, j'ai gagné vraiment. Et puis, ils m'ont envoyé vraiment. Et j'étais très content. Les enchères. Donc, ça veut dire quoi? Les enchères, tu peux gagner aux enchères, prendre le matériel, vendre, ça vient, on t'expédie ça de façon recommandée, ça arrive, tu retires, tu vends, tu retires, tu vends. Tu peux avoir des laptops, tu peux avoir des appareils, tu peux avoir des choses de valeur, tu achètes et tu vends. Enfin, on t'envoie, tu gagnes, tu vends. Les enchères. Et puis, il y a un autre métier que nous allons, avec le temps, on va développer. Les deux liens sont en dessous. Donc, désormais, moi, personnellement, j'ai réduit tous les groupes que je pourrais gérer en deux groupes. Tout ce qui concerne les petites affaires que vous faites, que vous avez besoin d'informations, il y a un groupe appelé avec le groupe Lambert. Vous allez trouver des milliers de personnes là-bas. Le groupe appelé les métiers du web, c'est ceux qui ont envie d'apprendre. Et ça se voit clairement parce que dans les deux groupes, les 1000 et quelques personnes, on vient de lancer, on va autour de 2000 personnes déjà. Mais quand on a créé le groupe avec les métiers du web, on voit que tout le monde n'est pas prêt à venir apprendre, alors que c'est la clé de la richesse. Donc, mesdames et messieurs, on va récapituler. Sur Internet, on peut se faire de l'argent. Sur Internet, on peut gagner, on peut perdre aussi également. On peut perdre, on peut gagner, vous comprenez? Comme dans la vie, on peut gagner, on peut perdre dans les affaires.
Si tu n'as pas d'information, de formation, de coaching, tu vas perdre davantage. Vous comprenez? Et c'est pour cela que nous faisons, nous voulons que vous soyez informés de cela, que si tu perds, tu perds, tu perds, tu perds, depuis que tu connais sur Internet, la question à te poser, est-ce que tu as une connaissance pour l'appliquer toi-même sur Internet pour faire des affaires en ligne? Si tu n'as pas de connaissances et que tu es dépendant des entreprises, tu dois appliquer une autre stratégie, hein, que j'ai, dont je vais recommander une vidéo qui va apparaître juste en haut là, tout à l'heure, ça apparaît là, déjà, où tu vas aller apprendre, où j'ai dit stop, arrêtez de perdre votre argent sur Internet, où tu vas apprendre. Si tu veux miser dans beaucoup de compagnies, tu veux faire des, prendre le risque, ceux qui veulent prendre le risque, hein, ceux qui veulent prendre le risque, parce que tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas apprendre des métiers, tu ne veux pas contrôler ton capital toi-même, tu ne veux pas travailler en ligne, parce que là, c'est travailler en ligne, c'est-à-dire que tu viens, c'est toi-même qui produis des résultats. Vous comprenez? C'est toi-même qui produis des résultats. On te met le système en place, tu as ton système en place, peut-être le système te coûtera coûter de l'argent, mais c'est toi-même. Si tu es fort, tu gagnes beaucoup. Tu n'es pas fort, tu ne gagnes pas. Tu connais, tu avances. Tu ne connais pas, tu recules. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Mais là, au moins, tu contrôles ton capital. Ton capital n'est pas de la main d'une personne. Et j'ai dit qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Vous comprenez? Et donc, rentrez dans les deux groupes. Vous pouvez être dans les deux groupes et puis apprendre auprès d'autres personnes. Moi-même qui vous parle, j'apprends auprès d'autres personnes. Je pose aussi des questions. Des gens, mais c'est des choses que je ne connais pas. Et j'apprends. Ce qui est intéressant avec la connaissance, c'est que tu peux apprendre et puis ça c'est en toi. Tu peux donner et ça ne finit jamais, ça ne tarit jamais. Ça continue de s'amplifier et tu t'améliores davantage. Est-ce que vous aimez cette façon de voir les choses? Si tu es au bout du découragement, de la déception, je crois que la chose qu'il te faut, c'est d'apprendre un métier. Si tu aimes l'Internet vraiment, c'est d'apprendre un métier et où tu vas utiliser ton propre capital pour travailler. Et ça, ça paye plus. Et ça peut payer tes enfants demain parce que tu vas les transférer. Hein, tu vas leur apporter cette connaissance, ce savoir-faire. Quand tu vas prendre ta retraite, pour moi, c'est la meilleure des choses. Gardons le cap et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour dire que toutes les vidéos que ce gars va produire, je veux être notifié. Moi, c'est Lambert Boissy. On s'attrape à la prochaine vidéo. Merci.